Bah, on a un énorme galet qui est tombé sur la route, la RD 52 entre Maracitron et Petit Sable, et avec un risque effectivement pour quatre maisons qui sont situées en dessous, hein, à Petit Sable. Donc on a fait évacuer les quatre familles et nous allons aussi parallèlement à trouver une solution pour ce galet, essayer de voir si on ne peut pas refaire un chemin du côté de la filature, entre la filature et les ramiers, pour au moins apporter une solution pour les secours et pour l'alimentation des élevages de Grand Hulaire, mais aussi toutes les boutiques de Salazie pour le monde économique. Donc on essaie de trouver une solution alternative pour essayer de ce soir d'avoir un passage au moins ce soir, ou sur site, ou sur l'ancienne route qui reliait Maragoyave à Maracitron. Donc ce sont des solutions alternatives. Les familles actuellement sont hébergées dans leur propre famille ailleurs, et nous avons ouvert un centre d'hébergement, hein, qui permettra d'accueillir ceux qui ne peuvent pas être accueillis par leur propre famille, et nous les accueillerons avec plaisir. Et là je descendais justement les rencontrer pour pouvoir avoir une discussion avec eux et trouver les solutions à leurs préoccupations. En tout cas, il y a un risque majeur avec ce galet, et actuellement le conseil départemental prend les choses en main avec le BRGM et le TTS, les travaux spéciaux, pour sécuriser au maximum la zone et sécuriser les personnes et les biens qui se trouvent sous le galet.